Aujourd'hui, une affaire formidable dans la première. Et un soir, avec des tuyaux du fer la frise, on pense toujours à la caisse. Heron, c'est pour rien, c'est un cadeau, c'est la fortune. Heron, mon pote. Heron, avec un rang, vous pouvez gagner une Citroën. Heron, des bobards dans un autre secteur. Hein. Mais bobards ! Oui, des bobards. Mais t'as dit mais bobards ! Écoutez-le, il a dit les bobards, mais bobards ! Mais dis-donc, on fait le bobard ! C'est plutôt toi qui essaie de me passer aux imbéciles. 40 ans que je viens en course, ça n'a jamais touché un moignon. Et ça prend des tuyaux. Et toi, qu'est-ce que tu vends ? Dis-le pour voir, c'est pas des tuyaux, hein ? Non, monsieur, moi je vends des renseignements. Des renseignements, passez-moi les renseignements, là, vers la poule. Mais t'es pas capable de distinguer mais la poule. Qu'est-ce qu'il a dit? T'as de la veine que je sois pas en colère, là. Ah, mais il a t'entendais, monsieur l'agent, comment il traite un honnête citoyen? Oh, que ça peut être menteur, les femmes. C'est elle qui m'a cherché des crosses. J'ai des témoins. Des témoins? Ah, il y a des témoins, Où c'est qu'ils sont les témoins? Où c'est qu'ils sont? Regardez le scandale tous les deux. Vous en bas. Compris? Allez, eux. Allez, circulez, allons. Demandez les renseignements vers la foule. Approchez. Il est tout bouillant, le diabète. Approchez-moi, le diabète. Il a jamais pu sauter une haie, alors. Il pense à porter influencé, moi.
Rigadin. Rigadin. Aveugle ou idiot pour pas jouer Rigadin, ouais. Alors tu l'as joué, toi? Non, monsieur, je l'ai pas joué. Non, monsieur, parce que moi, je joue jamais les chevaux qui gagnent. Si tout le monde jouait les chevaux qui gagnent, il n'y aurait plus de course possible. Voilà, vous avez compris? Non, oh, ben, ça m'étonne pas. Avec une bille comme la vôtre. Et bien des choses à votre famille. Et puis c'est bon. C'est pas la peine de discuter, c'est réglé. J'en pense tes excuses. Rasé il y a trois jours. Oh, alors, Técol, ça va? J'ai encore gagné deux bons points. Oh, mais alors, je te dois deux sous, hein? Oh, tu vas me conduire à la ruine. J'espère que tu vas ici. Ah, non, mon petit, j'aime pas les dettes. Je te dois deux sous, eh bien, lève-la, tiens. Merci. Jeannette! Oui, grand-mère! Tu viens? Ah, non, 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 pas ce soir, mon petit. J'ai du boulot. On dit pas du boulot, on dit du travail. Si tu veux, si tu veux, si. Si tu veux. Qu'est-ce que c'est ce travail? Eh ben, je fais de la couture, j'ai la doublure de mon veston qui prend de l'âge. Pourquoi tu dis pas aux grand-mères de le faire? Elle me raccommoder? Eh ben, demande-y donc de ma part, tu verras comment elle te recevra. Vous êtes encore disputé. Écoute, Nénette, cette fois-ci, c'est pas de ma faute. C'est elle qui m'a cherché des raisons. Tu m'as menti, tu dois me le dire à qui c'est. Eh ben, c'est ça, demande-y donc à ton petit doigt, oui. Nénette! Allez, viens. Fini. Et hop. Nénette. Viens, moi, je suis ici, ma mère. Maman, va. Nous avons qu'à rigoler. Avant, on va râler, tu veux. Avec les pompons, avec les pompons.
avec les frontières. Qu'est-ce que tu mets là-dedans? C'est de tout que la Suisse m'a donné pour mes bons points. Je ne veux pas que tu acceptes d'argent de cet individu, tu m'entends? Oui, grand-mère. Alors, donne-moi du tout pour que je lui rende. Oh, cela tu peux les garder. Une autre fois, je lui dirai, grand-mère ne veut pas que tu me donnes des sous. Oh, c'est ça. Alors, je vais mentir? Non, t'as qu'à refuser, voilà tout. Allez, laisse-moi te voir. Bon. Dis, grand-mère, comment ça s'écrit, honnêteté? Ben, c'est pas difficile. Ça s'écrit comme ça se prononce. O-N-E-T-E-T, honnêteté. Tu crois? J'en suis sûre. Tu dois oublier quelque chose. Oh, je ne sais plus. L'orthographe, elle a tellement changé depuis ma jeunesse. Si j'allais demander à la fille. Oh! C'est peut-être. Ah ben, il manquerait plus que ça, ben, ça serait du jeune. D'abord, je ne veux plus que tu causes un sale individu. Il s'est conduit avec moi comme le dernier. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ce qu'il m'a fait, ben, je vais te dire ce qu'il m'a fait. En plein champ de course, il a dit que je vendais des bobards clients. C'est-il des choses à dire, ça? C'est très vilain. Je vais aller lui dire. Il veut, tu restes ici. Je te dis que je ne veux plus le voir. Alors, on est fâché avec lui pour toujours? Pour toujours. Alors, il ne viendra plus manger avec nous? Manger avec nous, ben, il se débrouillera tout seul. Alors, tu ne lui raccommoderas plus ses affaires? Ah, ça, c'est différent. Il y a des choses qu'un homme ne peut pas faire soi-même. Alors, va aller chercher ton veston pour que tu raccommodes la doublure. Mais tu l'aimes donc bien, ton père Lassonde? Oui, grand-mère. Et moi? Toi, c'est ma grand-mère, Annie. On est tous les deux, tu comprends? Ah oui, je comprends. Ma petite fille, ma chérie, c'est une bonne petite fille, va. Allez, va chercher ton veston. Oui, grand-mère. Grand-mère, tu veux pas qu'il vienne? Je t'ai dit de m'apporter sans veston. Bon. Voilà, 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 voilà. Ah, c'est toi? Ton petit doigt? Oh, c'est culot. Tu as dit à grand-mère qu'elle vendait des bobards. Parfaitement, j'y ai dit. C'est très vilain. Tu lui as fait de la peine. J'ai fait de la peine, tu crois? Elle en a pleuré. Oh. Qu'est-ce qu'on fait quand on a fait pleurer une grand-mère? Je sais pas, moi. On va lui demander pardon. Bon. Et on dit, la poule n'en fait plus. Bon. Alors, il faut que j'aille lui dire ça. Oui, et tout de suite. Tu vas pas me ficher à la porte, parce que je la connais, tu sais. T'en fous pas. Alors, on y va. Allez. Mets ton veston. Ah, t'as raison, ça fait plus distingué. Allez. Allez, entre. Ah, te voilà, toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ouais, comment un morceau? J'ai mieux m'en aller, là. Encore toi, t'as été racontant, moi, hein? Ah, oh, sacré nénette. Viens, lève-la, mon veston. Fais attention, j'ai laissé l'aiguille après. Hein? Ah, bon. Tiens. De quel côté? C'est par là, tu vois? C'est ça. Oh,
C'est de la couture. Ah, ouais. Eh ben, bah, c'est du propre. Ouais. Tiens, tu t'y connais autant qu'en chevaux. En chevaux? Ouais. T'as entendu? Alors, commence à masticoter. De la gorge. Mais bon, c'est ce que je vous dis, n'oubliez pas de brosser l'intérieur. Merci. Encore un prince russe.
Honnêteté. Ouais. Honnêteté. Ouais. Et toi, t'es honnête? Bien sûr que je suis honnête. Qu'est-ce qui dit que je suis pas honnête? Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Isidore Fromentin, pour le service, c'est à côté. S'il vous plaît, je vous dis que la rentrée de service est à côté. La rentrée de service, non, c'est pas qui que vous me prenez, hein? Rentrée de service, c'est plutôt moi qui viens en rendant à votre patron. Mais monsieur ne reçoit que sur rendez-vous. Eh bien, justement, j'ai rendez-vous avec lui. Allez, 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 c'est voilà. Pardon, voulez-vous partir? Voulez-vous partir? Et alors, vous vous y êtes pas? J'ai eu trop de mal à rentrer. Ah, vous voulez pas sortir, j'appelle la police. Et puis pourquoi pas les pompiers pendant que vous y êtes? Allez, allez. Touche pas, j'aime pas les familiarités. Vous êtes tout voyou. Qu'est-ce que t'as dit? Voyou? Voyou? Répète un peu. Répète un peu pour voir que je te bouffe le nez. Allez, allez, qu'est-ce que c'est? Monsieur Isidore Fromentin? C'est moi, qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi, monsieur, mais cet individu est entré de force. Eh bien, bien sûr, puisque tu n'as pas voulu me laisser entrer comme tout le monde. Ah, de quoi s'agit-il? Ben voilà, il faut vous dire que je suis gardien de nuit dans un garage où vous rangez votre bagnole. Alors voilà, voilà ce que j'ai trouvé en la nettoyant. Hein? C'est mon portefeuille. Eh, votre portefeuille avec 27 billets de 1000. Pas un de plus, pas un de moins. 27 000 francs? Okay. Mais c'est très bien, ça, mon ami. Laissez-nous, Baptiste. Allez, débine-toi, Baptiste. Entrez, mon ami, entrez. Allez. Ah, Baptiste, apportez-nous du Porto. Vous aimez le Porto? Oh, tu parles. Vous parlez. C'est mon vin préféré. Entrez, mon ami, entrez. Entrez, entrez. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Hein? Oui, un cigare? Ah non, non, si ça vous fait rien, je préfère la piscine. Je ne vais pas. Alors là-dedans, il y a 27 000 francs. Eh, hey, 27 000. Vous pouvez compter, ils y sont. Je vous crois, mon ami. C'est très bien. Bah. Vous êtes un honnête homme. Ah oui. L'honnêteté, c'est pas une vertu, c'est un devoir. Ah, et comme vous le dites, c'est un devoir. Mais... seulement de nos jours, il n'y a pas beaucoup de gens qui le pratiquent, ce devoir-là. Hein? Ben, ils ont tort, ils ne savent pas s'y faire. Comment vous appelez-vous? La frise, pour vous servir. Oui. Dis donc, mais c'est pas un nom, ça. Comment c'est pas un nom? Ah ben, je vais vous dire, j'en avais un autre dans le temps, mais à force de m'entendre appeler la frise, j'ai fini par l'oublier. Vous m'avez l'air d'un brave bougon. Ouais, parce que vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas mieux. Hein? Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Vous avez bien un métier. Ah oui, j'en ai même deux métiers. Oui. Et comme je vous l'ai dit, je suis gardien de nuit dans un garage. Et puis alors, le jour, je vends des tuyaux aux courses. Non, vous vous occupez aussi de courses? Oui, hein, depuis près de 40 ans, alors. Ah, vous pouvez demander de faire la cerise, vous savez. Je suis aussi connu que le baron de Rossi. Nous travaillons tous les deux dans la même partie. Vous vendez aussi des tuyaux? Ah non, ah non. Non, mais j'ai une écurie de course. Hein? L'écurie Isidore Fromentin, donc vous devez connaître ça. Oui. Comment, c'est à vous, ça? Oui. Si, je la connais. Casaque mauve, toque rouge. Et alors? Ah, vous pouvez dire que vous m'en avez fait perdre du peine. Comment ça? Ah, c'est pas difficile. Chaque fois que j'ai joué un de vos chevaux, il est resté dans les sous. Quand j'ai joué contre, il a gagné en se baladant. Ah, ben vous n'avez pas de peine, vous. Ah. C'est pas pour rien qu'on m'appelle la frise. Hein? La frise. Oh, je comprends. La frise. Sacré bougre, là. Vous m'allez tout à fait. Ah, voilà le porto. Nous savions nous-mêmes. Nous-mêmes. Venez, mon ami. À votre santé. Et à la vôtre. Pas nous. Allez, sinon, on le fait exprès pour moi. Ah, ben, si vous en avez trop, hein. Attendez, vous en avez à quelques bouteilles. Non, non. Ah, je dis ça pour blaguer. Vous aurez votre porto. Ah, si ça peut vous faire plaisir. Ça me fait plaisir. Alors, vous vendez des tuyaux. Oui. Et ça rapporte, ce truc-là? Ben, l'un dans l'autre, dans les 20 balles par jour. Maintenant, il faut vous dire qu'en ce moment, les clients sont plutôt gelés. Ah, ben, c'est comme les rentes. Ah, c'est possible. Ça doit tenir à la température qui est un peu en baisse. Bon. Et puis, il y a trop de concurrence. Il y a un tas de margoulins qui n'y comprennent que pouic. Bon, entre nous, vous savez, c'est un commerce qui n'est pas protégé. L'État s'en fout.
Brave la fille. Ah, ouais. Et qu'est-ce que vous diriez si je vous donnais un tuyau? Un tuyau? Oui. Un cheval à vous? Oui, et qui court aujourd'hui à Auteuil dans la troisième. Oh, ben, je le connais. Fleur d'amour. Parfaitement. Hein. Ah, et bien, qu'est-ce que vous en dites? Que j'en dis? Vous voulez que je vous parle franchement? Oui, oui. Ce n'est pas en foutre en rogne. Non, mais non, allez-y. Eh bien, votre fleur d'amour, c'est le dernier des veaux. Un veau, fleur d'amour? Ouais. Je crois que j'ai payé 300 000 francs. Ben, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que j'avais été arrangé par des plus marioles que vous. Fleur d'amour. Oh, et voulez-vous que je vous dise, hein? Il n'est pas foutu de gagner un prix à réclamer. Fleur d'amour dans un prix à réclamer. Ouais, mais vous êtes fou, mon ami. C'est vous qui êtes fou d'avoir payé ce bourrin-là 300 000 balles. Oh, tenez, vous n'y connaissez rien. J'y connais rien. Oh, alors, si c'est pas un scandale d'entendre des âneries pareilles. Je n'ai rien. Mais vous pouvez me demander l'âge de n'importe quel cheval, sa robe, son origine, son père, sa mère, ses oncles, ses tantes, ses frangins, ses frangines. Moi, la cerise, je peux vous dire qui va dans le terrain sec et dans le terrain mou. Je peux vous dire s'il tient la distance ou s'il évite et tout. Je peux vous apprendre votre métier, quoi. Pour ce qui est de votre fleur d'amour, c'est tout justement à faire du saucisson. Et voulez-vous que je vous dise qui c'est qui va gagner la troisième à Auteuil? C'est Caramel Mou. Caramel Mou? Parfaitement, Caramel Mou. C'est du couru, alors. Vous voyez? Oh, vous pouviez aller de votre pull, vous savez. Il va gagner les doigts dans le nez. Mais c'est sérieux? Ah, je blague jamais dans mon métier. Jamais. Vous pouvez noter ça. Oh, vous pouvez aller. Alors, nous disons dans la troisième, Caramel Mou. M.O.U. vous. Comment M.O.U.? Ben oui, naturellement. Eh bien, je vous remercie. Ah, il n'y a pas de quoi. C'est 20 sous. 20 sous? Oui, pour le tuyau. C'est mon tarif. Maintenant, quand on s'abonne, c'est moins cher. Sacré la frise. Ah, vous m'allez tout à fait. Vous aussi, vous m'allez. Encore un peu de porto? Ah non, là-haut, ça monte à la tête ce matin-là. Puis il faut que je me sauve à cause des courses. Alors, je ne vous retiens pas. On s'en verra. Ah, avec plaisir. Seulement, je ne vous promets pas de vous rapporter un portefeuille à tous les coups. Là. Oh ben, attendez. Ah, non, je dis pas ça pour ça. Allez, empochez ça. Oh, 1000 balles. Ça va pas vous gêner, au moins? Pas trop, non. Ben alors, merci, hein. Merci, M. Fromentin, et au revoir. Une seconde. Votre adresse, vous enverrez de Porto. Ah, on peut dire que vous avez de la suite dans les idées. Alors, nous disons 23 Rue Forest, près de la place Clichy, au 4e. Ah, vous pouvez demander la cerise. Je suis connu comme le loup blanc. Parfait, je vous enverrai ça. Tiens, voilà ma fille. Bonjour, pas. Bonjour, mon enfant. Alors, tu arrives de maison la fille? Oui, pas. Comment va l'entraînement? Oh, c'est pas tant. Le feuillet est très content. Nous sommes sûrs de gagner aujourd'hui à Auteuil avec Fleur d'amour. Tiens, avec Fleur d'amour. Oui. Dites donc, vous entendez ça, la fille? Parfaitement que je l'entends. Et ça me dégoûte. Donc, déloyal de la part de votre entraîneur de voir filer les sugars pareils. Et un bon conseil, mademoiselle. Jouez Caramel Mou. Caramel Mou? Il me paraît. Parfaitement, Caramel Mou. La série se présente la fille, d'un brave homme. Enchanté. Tout le plaisir est pour moi, mademoiselle. Et... tu as devant toi une célébrité du turf. Oh, vous pouvez me mettre en boîte, j'ai le caractère bien fait. Ah, c'est pas tout ça, faut que je me sauve. Je veux pas faire attendre la clientèle. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Au revoir, monsieur Fromentin. Au revoir, mon ami, et merci. Oh, il n'y a pas de quoi. Et n'oubliez pas, hein, Caramel Mou dans la troisième. C'est du caisse. Et surtout, ne donnez pas au larbin, hein, il m'a trop mal reçu. Au revoir. Hein. Voilà le mien à la poule, les amis. Bonjour, mien à la poule. Ça va, mais comment ça va? Mais dis donc, il paraît que pour l'amour, c'est un succès dans la troisième. Oh, moi aussi. Mais bon, de tout le monde en parle. Je ne sais pas, moi. Tu n'as pas vu la crise? Bah, il n'est pas à sa place habituelle. Non. Qu'est-ce que tu joues dans celle-là, toi? Eh ben, fleur d'amour, c'est du couru. Fleur d'amour. Il n'est pas à Caramel Mou, oui. Tiens, lève la question. Le cheval à Fromentin était pas tant, les gens. Mais c'est fleur d'amour. On m'a dit que c'était une certitude. Et à moi aussi. Allez. Fleur d'amour, le 6, 10 fois gagnant. Tu dois te tromper, mon pompier. Ouais. C'est le bureau à Saint-François, le 6. Je le sais que c'est le bureau à Saint-François. Il y a peur que mon fils soit en chapeau. Allez, gronde-toi, les smous vont partir. Allez. Parti. Oh, c'est Fleur d'amour, vite en fait. Ah, là. Vas-y, fais l'effort, vous voulez ma place? Ta place.
Sa place. Il y a bien 40 ans que je l'occupe, cette place-là. Oh, vous pouvez me regarder, ça ne m'impressionne pas. Quelqu'un qui mitra le pur la cerise, il faut encore au monde. Oh là là, sa place. Eh, dis vieux, qui c'est qui mène? Eh, est-ce que c'est la Fromentin? Ah, fleur d'amour. Oh, oh, ça va. Encore une combine, vous faites marrer une combine. Mais il n'y a pas de combine aux courses, il n'y a que des imbéciles. Et alors, vieux, hein, à fleur d'amour, toujours en tête. Bon, ça va, je ne quitte pas ton viseur. Hein. Et alors, hein, toujours fleur d'amour en tête. Bah, t'en as plein les feuilles. Ouais. Tu peux pas le retenir. Qu'est-ce que tu dis? Tu peux pas le retenir. Mais qui le retient pas? Le retient pas, mon Dieu. Le retient pas, hé. Oh, le salaud, il a fait tomber exprès parce que je l'avais joué. Ça donne toujours la crise, mon bon vieux. Je vais t'en donner sur la gueule, du espèce de rat. Ouais, tout ça parce qu'il a joué ici. Une de cette solaire, ça me coûte 1000 balles. Vous pouvez rigoler, 1000 balles. 1000 balles que je vous dis, et je le prouve. Allez, 6, 2 fois 3, fleur d'amour, il y en a pour 1000 balles. T'en fais cadeau, tu peux les faire encadrer. Et c'est pas fleur d'amour qu'on t'a joué, c'est le 10. Le 10 a gagné, caramel vous. Le 10 a gagné. Le 10 est au moins du 30 contrats. Tu le vois ça, grand-mère? Mais non, je ne le vois pas. Qu'est-ce qu'il peut bien faire à cette heure-ci? Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Dis, grand-mère, t'es sûr que tu n'es pas discuté avec lui? Mais je te répète que non, hein. Il est peut-être malade. Malade? Non. Ça, c'est pas de chagrin. Tu le reverras, ton père, la suite. Hein? Allez, y'a que ça de vrai. L'honnêteté, y'a que ça de vrai.